J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous voici dans notre nouveau numéro de notre émission J'aime la parole. Prions, Seigneur, entre tes saintes mains, nous recommandons ce moment. Saint-Esprit, aide-nous, assiste-nous et instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, je vais mettre fin avec Esther et l'éducation, les caractères, les comportements. Et je vais lire avec vous toujours le livre d'Esther et je vais lire à partir de verset 15. La Bible dit « Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hegé, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus, dans la maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. » Mes chers frères et sœurs, j'ai beaucoup parlé d'Esther, j'ai beaucoup parlé de comportement. Je fais une petite synthèse pour clôturer avec vous. La reine Vashti a été chassée du mariage à cause de son mauvais comportement. J'avais dit, tu peux être belle, mais tu peux manquer la bonté. Tu peux être belle, mais pas bonne. Tu peux être beau, mais pas bon. Cela veut dire que la reine Vashti était belle, mais elle a été écartée parce qu'elle n'était pas, elle n'avait pas un bon comportement. Elle n'était pas une bonne femme, mais elle était une belle femme. Mais ici, nous sommes en train de voir Esther. La Bible dit qu'elle a été choisie à la place de la reine Vashti, remplacée. Mais ce qui m'a touché aujourd'hui, la Bible dit à son tour. N'oubliez pas, je vous avais dit, Esther, c'est une étoile. En hébreu, c'est Hadassa. Une étoile. La Bible dit chaque soir, les jeunes filles allaient chez les rois. N'oubliez pas. Et le soir est arrivé et à son tour. Je vous avais dit, une étoile donne ses éclats, donne la lumière et on peut voir une étoile facilement lorsqu'il fait soir, il fait nuit. Le moment difficile que Esther traversait, c'était une opportunité de briller en tant qu'une étoile à la place de Vashti. Je veux dire à quelqu'un, ne désespère pas. Tu es le remplaçant valable de quelqu'un que Dieu va déclasser à cause de son mauvais comportement. De la même manière, bien-aimé dans le Seigneur, Élisée a remplacé Élie. De la même manière, bien-aimé, Josué a remplacé Moïse. De la même manière, bien-aimé, David a remplacé Saoul. De la même manière, Esther a remplacé Vashti. De la même manière, si tu te comportes bien, bien-aimé, dans le Seigneur, tu seras remplaçant valable de quelqu'un qui sera écarté dans la course. Lorsque je dis qui sera écarté, je ne suis pas en train de dire de souhaiter le mal des autres pour que les autres remplacent. Mais bien-aimé, vous savez quoi? Il y a un homme de Dieu qui a dit que son père lui disait toujours que dans la vie, il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Cela veut dire qu'il y a toujours des gaffes, mais il y a des gens qui vont s'adhérer dans des gaffes, qui ne vont pas respecter la loi de Dieu, qui ne vont pas respecter la loi des natures. Et ces genres de personnes seront remplacées. Et bien-aimés dans le Seigneur, et les remplaçants valables sont bien-aimés dans le Seigneur. Nous, tu es la remplaçante valable. Tu es les remplaçants valables dans cette maison, dans cette société, dans cette compagnie.
dans cette église, dans ce ministère, tu es le remplaçant valable. Esther était une bonne femme et était une belle femme. Elle remplissait les critères. Elle était belle et elle était bonne. Et au-dessus de tout, elle avait la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. J'invite quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur à être bon et à être beau. Je vous avais dit, la beauté, c'est ce qui entoure l'homme, l'extérieur, mais l'intérieur. Tu veux être Esther? Tu veux briller à ton tour? Tu veux remplacer la reine Vashti? Comporte-toi et implore la grâce de Dieu dans ta vie. Si tu es remplaçant, écris seulement dans les commentaires que je suis un remplaçant. Bien-aimé, Dieu compte sur toi parce que la reine Vashti n'est plus. Le chef de ta société n'est plus. Ton chef de bureau n'est plus. Saoul est déjà rejeté. Dieu cherche un homme. Le roi cherche un homme. Et la personne en question, c'est toi. Mes chers frères et sœurs, j'ai beaucoup parlé d'Esther. J'ai exploité le chapitre 1 et le chapitre 2. Beaucoup exploité. Mais ce que nous pouvons retenir pour clôturer, que ta beauté, tout ce qui t'entoure ne suffise pas. Ta bonté, Dieu en a besoin. Et le monde aussi en a besoin. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu ouvre les églises des cieux dans ta vie. Je profite de cette occasion de te dire, si tu as besoin de soutien, de prières, de conseils, voilà, le pasteur Israël reçoit toujours chaque mardi dans le bureau de Villeneuve-le-Roi, 22 rue Honoré-Oursel. D'ailleurs, vous allez voir, mon frère Zico Lubasa, l'ingénieur d'image, va mettre l'adresse et le numéro pour nous contacter. Ne sois pas seulement beau ou belle, mais sois aussi bon et sois aussi bonne. Sinon, tu seras remplacé. Dieu compte encore sur toi. Comporte-toi. À la prochaine, je vais commencer un nouveau sujet. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Seigneur, bénis mon frère et bénis ma sœur. Bénis sa destinée afin que ma sœur soit une remplaçante valable. Mon frère soit un remplaçant valable. Rempli de ta grâce, dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, à la prochaine émission. Au revoir.